Oh Lord, Saint-Esprit agit qu'on y a. Saint-Esprit agit qu'on y a. Vrai ou guidez-moi, contrôlez-moi, soupliez. Saint-Esprit, agis qu'on y a. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis dans la vie, moi. Moi, voulez-vous guider? Moi, voulez-vous contrôler? Souplez, 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 souplez. Saint-Esprit, agis dans la vie, nous. Nous voulons guider nous, contrôler nous, soupler. Nous voulons enseigner nous, inéclairer nous, soupler. Evangelist Wiggins, je bénis. Saint-Esprit agit dans la vie, moi. Saint-Esprit agit dans la vie, moi. Moi, voulez-vous guider, moi. Amen, évangéliste Wiggins. Amandez-le pour l'agir. Pendant que il était 2 minutes pour lire 3h30, dans 2 minutes. Nous allons commencer directement avec le moment que nous gagnons pour aujourd'hui. Donc, nous encourageons, ou même qui déjà rejoint nous, qui déjà monté, partager live là, pour que l'autre monde ait une opportunité pour partager le moment ça aussi, ensemble avec nous. Moi, je voulais vous guider, moi. Je voulais vous contrôler, moi. Souple, moi pas fait rien sans vous. Moi pas agi sans vous. Non, 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 non. Moi pas fait rien sans vous. Oh, non, non, non. Moi, papa, j'y sens. Moi, voulez vous guider. Soupliez. Agicunia, 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 agicunia. Maestro César, Maestro César, bon Dieu béni, on frère, nous béni dans bon Dieu aujourd'hui, pour nous gagner ensemble avec nous dans un moment ça. Maestro César, nous ne pouvons pas aller longtemps, 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 nous ne pouvons pas aller. J'aimerais te croire que par la grâce de Dieu, ou très très bien. Et nous avons continué à faire ce travail là parce que c'est le même travail là que nous avons fait pour le Seigneur. Donc il est déjà 3h30. Moi, salue tout le monde qui est déjà avec nous dans le live, ça, à la gloire de Dieu. Donc, ou même qui est habitué, présent avec nous. Donc, rendez-vous, c'est tous les dimanches, 3h30 pour 4h, 30 minutes, hein, tout simplement, côté que nous là, pour nous capables de partager des choses sur l'adoration et la louange.
Donc, nous avons déjà gagné plusieurs dimanches depuis que nous avons partagé ensemble sur l'adoration et la louange. Donc, moi, encourager ou même qui est toujours présent avec nous tous les dimanches. Donc, c'est seulement 30 minutes que nous passons ensemble. Nous n'avons pas passé un peu de temps, c'est seulement 30 minutes. Donc, ou même qui est habitué présent ensemble avec nous chaque dimanche, 3h30, 4h. Nous encourager ou capable continuer présent ensemble avec nous. Nous comptons jeudi pour nous jouer un signal Maestro César. Donc, nous pas parlé depuis quelques temps. Nous pas parlé un bon bout de temps. Donc, moi content pour moi capable de jouer un signal. Nous remercions aussi Evangelist Wiggins qui est avec nous, frère Dieu Nord qui déjà fait nous signe. Et l'autre ami qui pral rejoindre nous. Donc, nous souhaitons que bon Dieu dans grâce de nous. Dans la bonté, dans la miséricorde, il ne peut pas manquer pas jeter une riche grâce, une riche bénédiction sur la vie de nous chaque qui à présent. Donc, il déjà fait 3 heures passées de 31 bonnes minutes. Donc, déjà, moi, j'ai invité pour nous à prier, bon Dieu, ensemble, pour nous demander, pour prendre contrôle, moment ça, que nous prenons passer à, pour que moment ça capable pour nous chaque, un moment tout à fait spécial, un moment béni, et que nous chaque va tirer quelque chose nécessaire, que le Saint-Esprit lui-même est capable de communiquer. Donc, frère, chez nous, nous saluons aussi à la gloire de Dieu. Donc, moi, invité tout de suite à nous prier, bon Dieu, parce que nous pas capables de faire un incendie, c'est lui-même seulement qui est capable de conduire nous, diriger nous pour que le moment ça ait un moment qui est bénéfique. À nous prier, bon Dieu, ensemble. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui pleurons dans le ciel, là, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur. Merci pour l'opportunité ça. Merci pour le privilège ça que vous accordez nous, bon Papa, pour nous capables, ensemble, avec Zaminou, pour nous partager la parole, pour nous partager sur l'adoration et la louange. Adoration que nous existons pour raison ça, pour nous adorer au Seigneur. Permettre que le Saint-Esprit soit capable de contrôler minute ça, au moment ça, que nous prenons le passé. Et que nous chaque capable de trouver qui choye pour la vie, nous, pour permettre que nous continuions à avancer dans le royaume de Dieu. Merci pour chaque ami qui est déjà avec nous. Et merci pour Sila qui a rejoint nous tout à l'heure. Et merci aussi pour Sayo qui pas peut-être en direct, mais qui peut garder nous en différé. Que grâce aux bénédictions reposent sur nous toutes en abondance. C'est prier nous devant, dans le nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, merci beaucoup. Donc, nous disons bon Dieu merci parce qu'il y a déjà un contrôle. Petit temps, ça que nous allons passer. Hein? J'ai encore pas lire un titre. Donc, je dis à nous proposer nous, pour nous faire un rappel de quelques notions particulières que nous avons déjà ouais dans le jour qui passait. Donc, nous avons fait rappel et comme ça, si vous-même vous avez des questions, vous êtes capable de poser des questions. Donc, avant même que nous entrions à fond dans le live, là, si vous avez des questions sur ce que nous avons ouais déjà, sous live que vous avez gardé déjà, vous avez des barrages, vous ne pouvez pas comprendre, nous invitons à poser des questions en commentaire en bas live là pour nous capables de répondre. Donc je dis, c'est ça que nous avons fait, c'est ça l'objectif là. L'objectif là, je dis, c'est faire un rappel de ça que nous avons en ouais déjà. Bon, même si nous n'avons pas fait un rappel de tout ça que nous avons déjà, mais nous voulons faire un petit rafraîchi mémoire sur ça que nous avons déjà ouais. Et nous avons invité aussi pour faire nos parts de questions. Donc, si peut-être vous-même n'avez pas posé question, donc nous-mêmes n'avons posé question. Si vous n'avez pas posé nos questions, nous-mêmes n'avons posé question et vous avez répondu aux questions en bas live là en commentaire. Donc, si vous avez une question, posez-la. Si vous n'avez pas une question, donc nous-mêmes n'avons posé des questions avec les amis qui sont habitués, présents ensemble avec nous dans la live là. Donc, je dis à nous, je voulais faire rappel particulièrement sur ça qui concernait tentative définition que nous avons déjà abordé. Donc, nous avons expliqué pour qui ça, nous avons dit ces tentatives de définition que vous avez. J'espère que vous avez bien noté ça. Si nous avons posé nos questions, nous avons dit non, pour qui ça, moi, je dis, c'est une tentative de définition. Est-ce que il y a un monde qui
capable d'essayer de moi et demander réponse. Pour qui ça, on a essayé de définir adoration. Bon, et que et utiliser le verbe essayer. Mais pour qui ça, moi dit c'est une tentative de définition. Parce que moi été partagé ça à plusieurs reprises dans l'intervention. Et pour qui ça, moi dit que c'est une tentative de définition. Donc pour qui ça, ou même qui est avec moi, ou bien même qui va regarder, pour qui ça, nous dit que c'est une tentative de définition. Donc n'a pas de réponse ou pour qui ça, nous dit que c'est une tentative de définition. Donc dans ce qui concerne les tentatives de définition que nous avons continué à faire, que nous avons fait et que nous avons continué à faire, dans ce qui concerne l'adoration et la louange, donc nous, c'est surtout dans le dimanche qui passe, ça fait 3 dimanches. Nous avons essayé de considérer quelques mots originaux. Quelques mots originaux. Et moi, j'ai fait un rappel ça pour me dire que la Bible était écrite dans 3 langues originales. C'était dans hébreu, grec et araméen. Donc, nous n'avons pas vraiment considéré les mots araméens dans la tentative de définition, mais nous avons considéré les mots hébreux et d'autre part, les mots grecs. Et déjà, nous utiliser ou bien nous essayer chercher le sens du mot adoration à partir de 3 mots hébreux que nous voyons déjà. À partir de 3 mots hébreux que nous voyons déjà, nous essayer chercher et essayer comprendre le sens du mot adoration. Donc, l'homme dit m'a pas adoré, qui ça veut dire en réalité. Donc, nous avons un premier dimanche là, nous avons utilisé le mot ségade. Nous avons vu qui ça le mot ségade là, lui-même l'itéye. Dans le deuxième mot que nous avons utilisé, c'est le mot abad. Et troisième mot grec, pas mot grec, c'est le mot hébreu, excusez-moi. Troisième mot hébreu, c'est chaka. C'est 3 mots ça que nous avons vu. Donc, l'Ancien Testament. Une grande partie de l'Ancien Testament, c'était écrit en hébreu. Il était rédigé en hébreu. Donc, le Nouveau Testament, une bonne partie était rédigée en grec et une partie était en araméen. Donc, si je ne me trompe pas, par contre, si je me trompe même sûr que je ne me trompe pas, je dis Jésus lui-même, c'était araméen que lui était parlé. Ok, c'était araméen que tu connais parler, mais que non pas pour et des mots araméens dans tentative de définition. Donc, beaucoup de gens qui répondent moins pour qui ça, moi dit c'est tentative de définition. Donc, nous avons utilisé 3 mots ça yo, segad, abad, chaka. Est-ce que peut-être y a un monde qui a fait me songer qui ça nous a dit sur le mot segad? Est-ce que y a un monde qui a fait nous songer? Qui Jean nous a défini le mot ségade? C'était premier mot hébreu que nous avons utilisé pour aider nous comprendre le sens de l'adoration. Donc, nous avons gagné pour nous utiliser à partir de dimanche, si Dieu veut, des mots grecs. Nous avons gagné pour nous utiliser dimanche, si Dieu veut, des mots grecs. Donc, tout ça, c'est pour aider nous comprendre le sens de l'adoration. Maintenant, après nous finissons d'essayer de comprendre le sens de l'adoration, nous pourrons chercher à comprendre le sens de la louange. D'accord? Nous pourrons essayer de comprendre le sens de la louange. Frère Bermano, bon Dieu béni. Donc, nous pourrons essayer de comprendre le sens de la louange en utilisant d'une part les mots, des mots hébreux et d'autre part des mots grecs, même j'en ai fait le kounia pour adoration. Donc, après, nous pourrons essayer chercher pour nous voir est-ce que grande différence entre adoration et la louange. Donc déjà il y a un monde qui posait une question ça qui dit moi que est-ce que adoration avec louange c'est même bagaille, comment nous capable faire différence entre l'adoration et la louange. Donc c'est au fur et à mesure que n'a invité au garder live yo, n'a invité au partager live yo, ou a joindre une réponse qui a aidé à comprendre sens adoration, sens louange, et ça a aidé pour y connaître est-ce que adoration avec louange, il veut dire même bagaille, qui différencie, qui différence qui gagne entre eux, et comment adoration avec louange, il
yo m'te capable di yo marcher de pair comment yo arrivé concilier yo ensemble. Donc adorateur yo souvent dit que l'adoration et la louange forment un duo béni. Donc yo toujours un adorateur toujours aimé dit ça, adoration et louange yo formé un duo béni. Donc si yo formé un duo béni, ça c'est pour que t'en dit ou d'une part, ou pas capable de détacher la louange et l'adoration. Et moi t'ai fait tirer aller ça pour me dire que le moun yo l'adoration et la louange li pa gen un rapport par rapport au rythme du chant. OK? C'est pas parce que m'a chanté en musique qui chaud qui veut dire que m'a fait louange, c'est parce que m'a chanté en musique qui slow, OK? Qui veut dire que m'a fait adoration. Donc me songe que nous t'ai effleuré ça, OK? Nous t'ai effleuré ça dans intervention précédente yo. Donc c'est pas parce que musique la femme danser, musique la femme jouer etc., qui fait dire que m'a loué forcément. C'est parce que toute musique là son musique qui pas gon rythme qui entraînant qui fait que moi dit c'est adoration. Donc la différence entre l'adoration et la louange n'a rien à voir avec le rythme. Donc même si c'est pas nous beaucoup arriver là vraiment, mais on voulait continuer à tirer attention nous sur ça. L'adoration, la différence entre l'adoration et la louange n'a rien à voir avec le rythme. OK, y a pas rien pour avec le rythme. Donc parce que à partir de mots que nous ouais déjà yo, donc nous ouais le mot ségade. M'pa jwenn nan moun ki bam définition mot ségade là. Ségade c'est se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc notez ouais que à partir de mot ségade, donc l'adoration c'est l'expression du respect, l'expression de la crainte pour Dieu, l'expression de notre amour pour Dieu. Donc c'est ça que nous t'ouais que adoration lui-même lié à partir de premier mot hébreu que nous t'ouais. Donc nous t'aimer que trois mots ça yo nous bien maîtriser yo. Nous bien maîtriser yo quel que soit côté nous rivé, nous a fait une intervention ou bien a bailler une explication sur ça qui concernait adoration, sous sa adoration yé. Donc nous capables d'utiliser le mot ségade facilement, nous capables d'utiliser le mot abad facilement, nous capables d'utiliser trois mots et le mot chaka facilement. Donc nous prenons le temps, nous prenons le soin, nous allons lentement, OK, c'est 30 minutes seulement nous gagnons, donc nous allons aussi lentement pour nous capables essayer comprendre ensemble sens mot adoration lui-même gagner. Donc premier mot comme je dis à moi je voulais rappeler ça, c'est rappel que n'a fait, je dis à c'est en sorte de rappel que n'a fait sur ça que nous était déjà ouais en ce qui concerne tentative de définition que nous apporter sous question adoration avec louange. Donc premier mot c'était le mot ségad. Il veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Ça me croit que tout le monde qui est habitué à suivre avec nous a une certaine maîtrise de définition mot. Et deuxième mot que nous intéresse, c'est le mot abad. OK, c'est le mot abad qui veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. C'est la définition du mot abad, c'est deuxième mot hébreu que nous intéresse. Pour l'adoration, le mot abad, travailler, œuvrer ou servir Dieu. Et l'on a fait intervention sur le mot abad, nous te mettez accent sur le service, donc sur ça que on a fait dans le temple de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, façon à travailler dans l'œuvre de Dieu. Donc notez ouais que tout travail qu'on a fait pour le Seigneur, pour le fait que ou appartenir à le Seigneur, donc c'est d'abord, c'est déjà un acte d'adoration. C'est déjà un acte d'adoration. Donc notez mettez accent aussi sur la motivation, sur le pourquoi. Le pourquoi. Donc pour qui ça moi-même moi a fait telle ou telle activité pour Dieu, pour qui ça moi décidé by temps dans telle ou telle activité, qui ça me gagne comme motif, qui ça qui derrière tête moi, qui ça qui fait aussi actif, qui ça qui fait aussi déterminé pour me faire ce travail pour Dieu.
Est-ce que c'est parce que moi je voulais montrer l'amour que je gagne pour lui? Est-ce que c'est parce que moi je voulais montrer affection que je gagne pour Dieu? Est-ce que c'est parce que je voulais montrer reconnaissance moi à Dieu qui fait que m'a fait travail ça que m'a fait? Ou bien est-ce que c'est parce que moi juste gagne un intérêt particulier, moi gagne un intérêt personnel, moi je voulais satisfaire tête moi, je voulais satisfaire ego qui fait que je choisis fait travail ça que m'a fait pour le Seigneur. Peut-être bien monde qui va dire bon je choisis fait tel ou tel type de travail pour Dieu, c'est parce que bon Dieu sauvé m'a gagné un rien que m'a offri à Dieu en retour. Donc ça bon Dieu bon moi comme capacité, ça bon Dieu bon moi comme don, ça bon Dieu bon moi comme talent. OK? Donc nous pas faire différence qu'on y a en don et talent, mais j'espère que vous arrivez connait qui différence gagne en don et talent. Donc talent sont capacités naturelles que bon Dieu baro pour fait avec lui, alors que don c'est une capacité ajoutée que bon Dieu baro le que ou accepter le comme sauveur et maître, sont du plus que bon Dieu lui-même lui baro. Bref, c'est pas de ça que n'a parlé. Donc qui ça qui poussait m'a fait ça m'a fait pour bon Dieu. Nous te mettez accent sur ça en pile là, nous t'a parlé de mot abad. Il nous a montré que le motif que je gagne pour mon travail là, bon Dieu plus juge, bon Dieu plus mettait accent sur lui que le travail que je fais pour mon Dieu. Donc, nous avons parlé de ça, nous avons dit que bien va faire tout le monde que c'est une bonne action que va poser. Tout le monde va que vous vraiment sacrifié pour faire ce que vous faire. Mais si toutefois vous pas fait pour que non bon Dieu glorifié. OK, nous saluer Ozias Zamino, Ozias Stefi, Ozias, bon Dieu béni on somme. Nous content pour ensemble avec nous aujourd'hui. Ya. Donc si ça que m'a fait pour bon Dieu ya, motif là, li pas gain valeur dans Dieu bon Dieu, c'est comme si travail que m'a fait a, li pas représenté en rien devant bon Dieu. Donc moi te prends exemple où on doit travailler dans temple mais on juste à travail, c'est parce qu'on sentit que bon Dieu sauvé ou et que ou estimer que pas grand on ka bay bon Dieu en retour pour la vie éternelle que ba ou dans Jésus-Christ. Donc on décide de faire ça. Donc c'est pas pour ça on fait, mais on juste fait pour pasteur ya, pour leader ya, pour diacre là, pour prédicateur ya, car on en ou yon frère qui zélé, yon sœur qui zélé, etc. Donc peut-être bien moun tout qui connaît l'église yon montre yon zélé, et pourtant son mariage yon besoin yon motivé pour yon mariage. Donc depuis que moun nan fin jwenn mariage là, li pas continuer travail encore. Donc c'est ça que fait l'on t'a parlé de mot abad qui t'a aidé nous comprendre le sens de l'adoration. Donc nous t'es surtout mettez accent sur raison qui fait que m'a travaille pour bon Dieu, raison qui fait me motiver comme ça, raison qui fait me déterminer comme ça. Nous t'es mettez accent en pile sur ça. Donc troisième mot que nous t'es c'était le mot chaka. OK, le mot chaka c'est le troisième mot que nous t'es ouais. Et le mot chakate veut dire se courber soi-même pour rendre hommage et honneur. Troisième mot que nous avons dans notre tentative de définition que nous avons déjà sur l'adoration, nous avons ce mot hébreu là qui c'est chaka. Ok? Ce mot hébreu qui c'est chaka qui veut dire se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Et nous te mettez accent presque sur chaque mot qui en dedans définition ça. Nous te mettez accent sur le mot se prosterner et nous te fait différence pour vous entre se prosterner, se courber et s'agenouiller. OK? Nous te fait différence pour vous entre se prosterner, se courber et s'agenouiller. Et nous te voyons que chaque ça yo, chaque expression ça yo, parce que puis devant nous pour nous parler de sacré les expressions dans l'adoration, les expressions physiques. Donc parce que adoration certes quoi vivre à l'intérieur de vous-même, mais tout ça vivre à l'intérieur de vous-même faut li capable matérialiser dans le visible, dans le réel. OK, faut li capable extérioriser, faut capable dédouaner dans le réel. Donc ou passer de adoration qu'a traversé à l'intérieur de vous-même qu'on y a, il peut le manifester par des expressions physiques.
Donc nous gagnons pour nous recevoir devant, nous pas anticiper. Donc nous gagnons pour nous parler de des expressions physiques dans l'adoration. Qui ça y est, qui ça veut dire, qui ça y est exprimé dans le sens spirituel. Mais nous avons fait différence pour vous entre se prosterner, se courber et s'agenouiller. Et Moshaka, il était référé nous immédiatement avec expression ça qui c'est se prosterner. Nous avons parlé de la prosternation. D'accord? Nous t'ai parlé de la prosternation. Nous t'ai montré qu'il leur inclinait, qu'il leur agenouillait. Donc, agenouillé, donc tout le monde censé très habitué avec ça. C'est expression peut-être qu'on a utilisé le plus souvent. Mais le problème, c'est que c'est peut-être en pile fois, nous utiliser, nous faire le bagaille dans la culture que moi-même avec vous, nous pas questionner. Nous pas aller pour nous connaître le vrai sens que ça gagne. Donc, le fait pas le fait que on nous mette à genoux ou mette à genoux, mais le mette à genoux, qui ça veut dire le mette à genoux, avec qui sentiment que moi mette à genoux. Parce que l'adoration même, c'est une question de connaissance. Moi t'ai dit ça déjà au départ, ou pas adorer dans une base ignorance. Ok, ou pas adorer dans basse ignorance. Ok, zami nous, Jean-Robert Derons, nous saluons. Donc, un ami que Frère Dieu a invité pour suivre ensemble avec nous. Donc, nous bénissons le Seigneur pour notre ami Jean-Robert Derons, donc, qui l'a avec nous pour une première fois. Je dis à moi, il y a deux nouveaux mondes qui l'a avec nous, des mondes qui ne sont pas habitués là. C'est zami nous, Stéphie Ozias et zami nous, Jean-Robert Derons. Donc, c'est deux noms que nous pas habitués ouais, en bas live là. Donc, nous peut-être une idée de nom qui habitue commenter dans le live là. Donc c'est deux nouveaux amis, nous espérons que yo capable continuer là ensemble avec nous dans tout le dimanche qui a venir yo, parce que c'est un rendez-vous permanent. D'accord, c'est un rendez-vous permanent tous les dimanches à partir de 3h30 pour 4h. Donc tout dépend de dans quelle zone que vous êtes, dans quel pays que vous êtes, l'heure là capable différent pour vous. Mais pour Haïti, nous même si en Haïti que nous y est, pour Haïti, l'heure là c'est 3h30 pour 4h. Donc vous capable juste essayer garder dans l'heure par là, dépendamment de dans quelle zone que vous êtes, quelle heure que la vie pour vous. Donc tous les dimanches, vous rejoignez nous dans espace ça sur page Facebook ça. Si vous êtes abonné avec page Facebook là, nous invitez aux abonnés. Donc le ça une fois que nous live, on va recevoir une notification pour capable connaître que nous live, pour capable rejoindre nous pour nous capable continuer partager la parole de Dieu ensemble et comme ça ou même aussi m'encourager ou inviter l'autre monde pour que nous capable continuer partager parole ça ensemble parce que nous toutes nous créés pour nous adorer mais pour nous arriver à adorer bon Dieu, nous pas qu'arriver à adorer sur une base d'ignorance. Mais il faut que nous adorions bon Dieu sur la base de la connaissance. Il faut que nous ayons connaissance sur Dieu. Il faut que nous ayons connaissance sur Dieu pour que nous arrivions à adorer bon Dieu. C'est ça que fait. Partagez le message là, partagez le live là, invitez un autre monde. C'est sûr et certain, donc, là, extrêmement bénéfique pour l'autre ami. Donc, je dis à nous, nous sommes là pour nous être capables de faire rappel pour vous. Pour nous faire rappel pour vous, c'est sûr et certain que nous n'avons pas vraiment de chance pour nous faire rappel sur tout ça que nous avons déjà. Parce que nous avons plusieurs interventions, donc l'étape est extrêmement difficile pour nous faire un rappel sur tout ça que nous avons déjà. Mais c'est sûr et certain, donc nous faisons un rappel sur ça que nous avons dans trois dimanches qui sont passés. Et nous avons aussi avec vous que l'homme c'est un adorateur inné. D'accord? Nous voyons avec vous déjà que l'homme, c'est un adorateur inné. Donc, tout le monde fait pour adorer. Donc, ça, c'était la première intervention que nous avons fait. Tout le monde fait pour adorer. Tout le monde créé pour adorer. Mais le problème, c'est parce que tout le monde n'a pas choisi d'adorer le vrai Dieu. Donc, nous sommes tous des adorateurs. Et nous avons montré comment nous sommes tous des adorateurs. Et nous avons un texte qui prouvait que bon Dieu dit, nous sommes créés à la louange de sa gloire. C'est Napoléon, bon Dieu béni. Nous sommes créés à la louange de sa gloire. Et nous t'ai montré au monde qui pas adoré bon Dieu. Donc, ils ont adoré les créatures. Ça pas adoré le créateur, ils ont adoré les créatures. Et nous t'ai ouais, ensemble avec vous aussi, il y a une condition indispensable à l'adoration qui c'est la nouvelle naissance.
c'est une condition indispensable à l'adoration, c'est la nouvelle naissance. Et nous te dit que pour commencer par remplir conditions pour adorer bon Dieu, ou indispensablement, indubitablement, doit commencer par la nouvelle naissance. Et là, nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous t'es allé dans un chapitre 3, qui parle nous de l'histoire Nicodème avec Jésus-Christ. Nicodème qui était venu côté Jésus de nuit, qui était venu poser Jésus question. Le Jésus-Christ a dit avec Nicodème, faut qu'il fête une deuxième fois. Et Nicodème pas arrivé à comprendre cette nouvelle naissance que Jésus-Christ a parlé. Donc, nous t'ai parlé de ça avec vous. Je crois que c'était dans la deuxième intervention que nous t'a fait sur page ça. Après, nous t'ai essayé commencer par porter une définition. Moi-même, personnellement, je suis barré une définition que moi attribue à l'adoration. Et je suis expliqué cette définition personnelle que moi attribue à l'adoration. Je suis montré que l'adoration, c'est un mélange homogène. C'est un mélange homogène côté que l'homme avec Dieu est fusionné par la manifestation du Saint-Esprit qui vient permettre que mélange ça l'impossible. Et nous t'ai montré un mélange homogène, c'est que on pas capable différencier solvant avec soluté. OK? Nous t'ai montré qui rôle Saint-Esprit lui-même lui jouer dans mélange ça, et nous t'ai montré qui place que l'homme lui-même, l'homme qui c'est l'adorateur, qui place que l'homme lui joue dans mélange ça. Et après, nous t'ai venu commencer par aborder mot grec yo. Bon, frère Molière, bon, plusieurs mon gars t'ont dit non ça déjà, mais nous espérons que n'avait gardé qui ça bon Dieu voulait pour nous raconter qui ça exactement pour nous faire. Donc mon Dieu continuer à dire non l'heure là, elle est trop petit. Donc n'a pas essayer garder qui ça possible pour nous voir est-ce que nous capable augmenter sous lui. Donc c'est ça que nous avons déjà ouais dans l'intervention que nous fait déjà. Donc ça m'a invité au fait c'est continuer à poser questions. Si vous avez un bagage que vous pas comprendre, continuez à poser nos questions. Si ou pas d'arrêt mais poser nos questions en commentaire, n'a pas au numéro WhatsApp nous ou cap écrire nous sur WhatsApp sans aucun problème pour poser nos questions. D'ailleurs, pour l'adoration, nous soyons passionnés, nous sommes toujours prêts pour nous capables de répondre. Il y a deux questions que quelqu'un doit poser nous, nous ne devons pas avoir une réponse immédiatement. Parce qu'il y a deux questions qu'a posé nous qui a bon pour nous faire une intervention sur ça. Par exemple, il y a des amis qui posaient nos questions pour nous faire différence pour eux entre l'adoration et la louange. Donc, nous pas de répondre une question directement parce que dans l'intervention qu'on a fait sur page ça. Dans la série de partage ça yo m'a gagné pour me faire une intervention spéciale sur différence qui gagne entre l'adoration et la louange. Donc c'est ça que fait moi pas te répondre zambien directement. Donc moi t'ai invité zambien à brancher ensemble avec nous sur page là pour qu'à retrouver réponse là. Mais si vous t'avez posé nombre de questions, peut-être bien question que l'a posé nous, c'est yo qui permettre que nous préparer en live. Donc ou qu'a posé nos questions et puis nous décider faire une intervention spéciale pour question parole en particulier. Donc ça a aidé nous pour nous grandir aussi, ça a aidé nous pour nous faire des recherches et ça a aidé l'autre monde autour pour yo apprendre. Donc leur poser une question, li pas seulement un avantage ou li non seulement un avantage ou mais li un avantage monde qui pose des questions parce qu'on aide monde pour faire recherche pour grandir, mais li un avantage l'autre monde aussi qui prend le temps des réponses qui pourrait attribuer à la question qui a été posée. Donc, si vous voulez poser une question par WhatsApp, sans aucun problème, vous êtes capable de faire ça sous +509 33 56 93 92. Si vous voulez poser une question sur l'adoration et la louange, des bagailles que vous ne comprenez pas en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne la louange, vous êtes capable de poser une question directement sur WhatsApp, non? Sous +509 33 56 93 92. Et nous sommes très contents pour nous partager ensemble sur l'adoration et la louange. Comme ça, moi-même, je vais permettre que je grandisse et nous grandissons ensemble à la gloire de Dieu.
Moi, t'es content, je dis à vous, t'es avec vous, il a déjà fait 4 heures. Donc, j'en connais déjà. Rendez-vous, c'est tous les dimanches, 3h30, 4h. Donc, là, il est déjà 4 heures. Moi, je remercie tout le monde qui était présent ensemble avec nous, tout le monde qui était commenté, tout le monde qui peut-être était en silence, qui n'a pas commenté. Nous remercions nous tous. Merci à vous-même qui avez partagé le live là. Merci à vous-même qui pral continuer partager le live là pour plus de monde possible capable de rejoindre nous pour nous faire route là ensemble. À nous remercier, mon Dieu, pour le moment ça que nous avons passé. Seigneur, nous vous merci pour le moment ça que nous avons passé ensemble. Merci pour l'enseignement que vous avez continué à nous. Nous voulons adorer vous. Vous créez nous pour nous adorer vous. Mais Seigneur, c'est vous-même encore qui devez enseigner nous comment pour nous adorer vous. T'en prie, ô Dieu, fais-le pour nous et qu'on sa gloire capable d'éclater de manière spectaculaire dans la vie, non. C'est prière nous devant, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À dimanche, si Dieu veut, 3h30, 4h. Moi, c'est Zamion, adorateur Bertin, d'Orville-Mort. Moi, remercie mon Seigneur. Au revoir.